Bonjour à tous, et commençons d'abord par revenir sur le bilan de la semaine d'entraînement. Mardi, le 10 x 30-30 s'est transformé en 12 x 30-30, mais avec un manque de régularité important puisque j'ai couvert entre 120 et 150 mètres pour les 30 secondes. Le jeudi, le fractionné long s'est globalement bien passé. Cependant, le temps de récupération d'une minute 30 paraît un peu léger. Et puis, je suis allé un peu vite sur les deux premiers kilomètres avec une allure de 4 minutes 21 et 4 minutes 18. Et de ce fait, j'ai eu du mal à finir les 3e et 4e kilomètres avec une allure de 4 minutes 31 et 4 minutes 23. Dimanche, je n'ai pas trop forcé sur les 8 fois 200 mètres en côte, puisque l'allure était plutôt de 85% de la VMA, là où j'avais prévu éventuellement de monter jusqu'à 100%. Pour le bilan de la semaine, le côté positif est le respect des entraînements prévus, et le côté négatif reste les trop courtes distances parcourues à l'entraînement et le manque de régularité sur les allures. Pour le planning de cette 3e semaine, je vous propose mardi une séance de 6 x 400 mètres à 90-85% de la VMA avec 1 minute 30 de récupération. Séance allégée pour ne pas se griller pour un test de VMA. Jeudi, vous aurez donc le choix entre le demi-Cooper ou l'Astrand. Je vous réexpliquerai ces deux méthodes plus en détail avec une vidéo mercredi soir. Pour terminer, durant le week-end, une sortie vélo d'environ 1h30 et un footing de 40 minutes. Bon courage et bonne semaine à vous.